Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, à toutes les Algériennes à travers le monde. Shalakoum, j'espère inchallah que tout le monde va bien, spécialement Fidèle comme d'habitude. Alors, bonne nouvelle, très bonne nouvelle. Il y a plusieurs nouvelles qui concernent toutes les hydrocarbures. Je vais vous les exposer maintenant. Premièrement, on en avait parlé et beaucoup avaient ouvert leur bouche en suivant Rachid Nekaz, une kikiz, monsieur des informations. Et vous vous rappelez, il y a de cela un an à peu près, on avait entendu parler que Total allait racheter tous les actifs d'Anadarko, une société américaine, qu'ils allaient s'approprier 50% des gisements de pétrole algérien. Ce qui était faux dans un premier temps, mais encore pire, et j'en avais parlé, et j'avais dit que l'Algérie devait faire valoir son droit de préemption, c'est-à-dire son droit. D'être prioritaire au cas où Anadarko voudrait vendre ses actifs, et Anadarko a été racheté par Occidental, une société américaine, et l'Algérie a fait valoir son droit de préemption. Tout le monde a dit non, vous allez voir, ou Zaire, ou France, la France. Total, aujourd'hui, vient d'annoncer que Anadarko avait annoncé à la France qu'ils ne pourraient pas racheter leurs actifs, que c'était mort, et que l'Algérie a fait valoir son droit de préemption, et que c'est l'Algérie qui aura le droit de racheter les actifs d'Anadarko en Algérie. Donc, une excellente nouvelle, qui est plus symbolique pour moi qu'autre chose, puisque c'est pour montrer que la nouvelle Algérie, pour les multinationales comme ça, qui veulent s'accaparer nos richesses, il n'y a pas de place. Deuxième nouvelle, deuxième et troisième, c'est que l'Algérie, lundi, donc là aujourd'hui on était mardi, hier lundi, une très 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 bonne nouvelle qu'on n'avait pas vue depuis, moi j'ai jamais vu ça, une entreprise russe, un géant russe de l'hydro des hydrocarbures, Lukoil, Lukoil, vient de signer un mémorandum d'entente conjoint avec Sonatrach, pour chercher des moyens d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures en Algérie et aussi à l'étranger. Donc Sonatrach s'associe avec Lukoil pour ensuite investir à l'étranger dans des gisements d'hydrocarbures et offrir l'expertise algérienne et russe conjointe pour explorer et exploiter des gisements pétroliers, gaziers, tout ce qu'on peut imaginer. Dans le même sillage, il y a quelques semaines aussi, ExxonMobil a signé un mémorandum d'entente avec la Sonatrach aussi pour la même chose, pour de l'exploration et de l'exploitation d'hydrocarbures. Ils vont réfléchir ensemble comment faire. Et tout ça dans le sillage de la nouvelle loi des hydrocarbures. Et on voit bien avec ces trois nouvelles-là que le seul perdant par rapport à la loi hydrocarbures sont la France et Total. Et voilà pourquoi Oulad Fransa, l'Khberjia encore une fois, ont tout fait pour saboter cette loi sur les hydrocarbures. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des investisseurs, qu'on va pouvoir se développer en interne en Algérie et aussi à l'étranger. Et c'est très très bien pour un géant comme la Sonatrach de compter sur un géant comme Lukoil, etc., pour pouvoir se développer. Autre bonne nouvelle, en une journée aujourd'hui, le pétrole a pris plus de 14%. Il dépasse, il est à peu près à 32 dollars à l'heure où je vous parle, et ça devrait continuer à augmenter dans le sillage des déconfinements et de la reprise de l'économie mondiale à peu près, puisque faut savoir, et vous le savez tous, qu'avec le coronavirus, on a passé 2 mois où l'économie mondiale s'est totalement effondrée. La plupart des puissances mondiales et des pays dans le monde sont en train de déconfiner. La France va déconfiner le 11, beaucoup de pays européens déconfinent cette semaine, les Américains, il y en a beaucoup qui réfléchissent à déconfiner. Plus l'économie va reprendre avec la réduction de la production et plus le prix du pétrole va augmenter, même si ce n'est pas sûr, même s'il risque d'y avoir de hauts débats, et on l'a dit, on ne doit plus compter que sur le pétrole. Mais c'était pour répondre aussi à Abdou Samar que j'ai vu faire une vidéo
Ou qu'il faut, vu que le prix du pétrole s'est effondré, il faut réduire de 50% le budget de l'ANP. Abdou Samar, baisse de 50% le budget de ton gros ventre, d'accord, de ce que tu manges, et après, tu parleras de l'ANP. D'où, toi, tu as le niveau de parler du budget de l'ANP ou de ce que l'Algérie doit faire, etc. Quand on a un problème et que on a une crise financière, il faut chercher à augmenter ses revenus, pas à baisser les revenus de l'ANP avec tous les dangers qui se trouvent à nos frontières. Il n'y en a qu'un seul, comme la Libye, où toutes les puissances mondiales, Turquie, Égypte, Émirats, Haftar, les tribus, Serraj, Daesh, Al-Qaïda, tout le monde est à nos frontières, et toi tu veux qu'on baisse le budget de notre ANP. Bien sûr, tu es en France, bien sûr, tu es caché par les services français, bien sûr que c'est ton but de t'attaquer à l'ANP, mais sache bien que l'ANP, on ne baissera pas, Inch'Allah, son budget. Il faut chercher, comme l'a dit le président Ahmadi Tebboune, à augmenter nos revenus, c'est-à-dire à diversifier notre économie, l'agriculture, l'industrie, à exploiter autre chose que le pétrole. Et comme je l'ai toujours dit, le pétrole doit être une de nos ressources, pas la ressource principale. Donc, en tous les cas, dans un court laps de temps, je pense que le pétrole va continuer à augmenter, sauf s'il y a, bien sûr, c'est comme ça de façon dans l'économie, hein, il suffit qu'il y ait des tensions entre les États-Unis et la Chine, et il y en a pour que ça puisse replonger, remonter, mais quoi qu'il arrive, le pétrole, je pense, remontera, quoi qu'il arrive, au-delà des 50 dollars. Et si ça n'arrive pas, ben c'est pas grave. De toute façon, nous, on est parti pour la nouvelle Algérie pour augmenter nos revenus et augmenter et travailler toujours plus, plus, plus. Donc, Inch'Allah, que ça continue. Que de bonnes nouvelles, en tous les cas. Et pour Total, Cheikh, ou ceux qui ont suivi une Kikiz ou là, c'est fait, c'est fini. Il n'y avait rien de fait. C'était Total qui faisait exprès pour démoraliser, pour dire ça y est, c'est fini. Donc, comme ça, on arrête, on les laisse faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, l'Algérie va, Inch'Allah, négocier avec Anadarko Darko directement et Occidental pour acquérir les parts de marché d'Anadarko Darko en Algérie et sûrement pas Total. Salam alaikum rahmatullah, la patrie ou la mort nous vaincront. Sahas horkom, sahaftorkom et à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'était un petit sujet sur les hydrocarbures et le pétrole. Les mémorandums d'entente avec Lukoil, avec ExxonMobil, mais pas avec la France, pas avec Total. Donc, c'est fini. Et je l'ai toujours dit, la France continue à s'enfoncer, continue à essayer de déstabiliser l'Algérie. On en a parlé avec l'armée française qui diffuse des messages subliminaux, avec la presse française qui continue à attaquer l'Algérie. L'Algérie ne se mettra pas à genoux, quoi qu'il arrive, Inch'Allah, mes frères et sœurs. Salam alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah, faites attention à vous. La patrie ou la mort nous vaincrons. Inch'Allah, salam alaikum, sahaftorkom, sahasrorkom.